Chers membres fonctionnaires de l'AMIN, honorables invités, mesdames et messieurs, il y a presque exactement une année, en mars 2022, Cathy 360 en contact avec l'Ifanché Antedio pour proposer et de digitaliser et de traduire en langue nationale, notamment en Wolof, les travaux de Cheikh Antedio, ainsi que les résultats de recherche des différents laboratoires qu'appuie notre institut, afin de les rendre accessibles sous format audio aux populations analphabètes, mais qui ont aussi le droit d'accès au savoir. Il a bien sûr la disponibilité. Ambitieuse idée, vous me direz, vu le nombre de laboratoires dont l'IFAN dispose, et qui sont au nombre de 17, et la masse de travail que cela peut impliquer, mais norme et générale idée de la part de deux jeunes citoyens sénégalais qui, à l'issue de leur odyssée en Occident, sont rentrés au pays avec le rêve et l'immense espoir de participer à changer le pays en mettant à profit leur maîtrise technologique acquise au Japon et en France pour diffuser les savoirs aux différentes communautés afin de changer positivement et qualitativement les comportements et les rendre favorables au développement du pays. Ces jeunes-là sont Khadio Fall et Falloué, toujours ensemble, ici présents. Je vous remercie. Mais moi, chers invités, je savais qu'avec tous les laboratoires de notre institut et le maigre budget que nous avons, je savais qu'il nous fallait être réaliste. Le meilleur moyen de travailler avec 4360 était, à mon sens, de commencer avec un seul laboratoire, celui de linguistique, pour l'élaboration de contes et d'histoires en langue nationale, avec la CNPE qui nous a rejoints dans ce projet, et plus tard, la maison de Lucien Hidou. Aujourd'hui, un an après cette fructueuse collaboration qui a mobilisé 4360, la CNPE, et la maison d'édition Edio, l'IFAN et des collaborateurs externes, que sont les personnes ressources, que nous sollicitons toujours pour les recherches sur les langues, et qui sont presque tous là présents, nous voici réunis aujourd'hui pour le lancement des premiers livres de contes et d'histoires de la collection L'Évolement, qui sortira périodiquement et du calendrier en langue nationale. Le choix du laboratoire de linguistique, mesdames et messieurs, n'est pas tout à fait fortuit. Avec le changement de paradigme dans le système éducatif sénégalais et l'introduction des langues nationales à l'école qui sera bientôt généralisée, le professeur Bakadjan l'a bien expliqué et évoqué tout à l'heure. L'environnement. Monsieur le directeur de l'imprimeur, madame la chargée des affaires culturelles de l'Institut GUT, madame la directrice de la place du souvenir, chers partenaires de l'IFAN Cheikh Antedio, de la CNPE et mon cher docteur Chirou, chers pionniers et pionnières de la petite enfance, chers invités, bonsoir. Nous vous remercions d'avoir bien voulu honorer de votre présence la cérémonie de lancement que nous effectuons aujourd'hui en partenariat avec l'IFAN, la CNPE de Jirou. Ces outils que nous allons présenter plus en détail avec Mme Thiaw tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail de longue haleine qu'on a mené entre 4360, IFAN, le docteur Jirou et la CNPE. La CNPE, c'est l'alliance de la petite enfance. Donc, nous savons que l'Afrique en général, le Sénégal en particulier, est en recherche perpétuelle de modèles d'éducation adéquats, appropriés. C'est compliqué comparé aux autres pays dans la mesure où nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais on essaie de trouver le bon modèle pour que, comme le Japonais, le Chinois, comme tout le monde, qu'on puisse nous-mêmes aussi apprendre dans les bonnes conditions. L'État du Sénégal, comme nous est déjà l'a dit, est dans la phase de préparation de la généralisation de l'apprentissage bilingue, l'éducation bilingue, avec la langue nationale et le français. Nous, à partir de là, on s'est dit qu'avec l'IFAN, il va falloir que aussi le secteur privé s'y mette. Donc, l'État seul ne peut pas tout faire, mais si le secteur privé s'y met, avec la synergie, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et ainsi, on a noué un partenariat avec l'IFAN pour commencer avec quelque chose. Il faut commencer toujours avec quelque chose.
Donc on a commencé avec la production L'Événement. L'Événement veut dire en wolof, raconte-moi une histoire, bien compte-moi, je vais vous compter. Donc avec après la production L'Événement, on a aussi commencé le calendrier en langue nationale. Pourquoi? Parce que on a vu que tant qu'on n'aura pas une académie, nos langues vont mourir. Et maintenant, pour éviter que nos langues meurent, il va falloir qu'on essaie de préserver ce qu'on a déjà, le temps qu'on crée de nouveaux concepts. Donc pour ça, on a lancé le calendrier en 6 langues, comme l'a dit tout à l'heure. Il y a le Wolof, le Kula. Je suis directrice de 2 écoles et je suis la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance. Alors nous sommes sous la tutelle de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits que M. Préra ici représente, car il est le coordonnateur régional et aussi il est inspecteur aussi. Voilà. Alors, monsieur le représentant du ministère de l'Éducation nationale, monsieur le représentant de l'IFEF, monsieur Tidiane Sall, le représentant de l'UNESCO, docteur Mamaram Sek, représentant du directeur général de l'IFAN, monsieur Dominique Préra, représentant de la direction de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout petits de l'agence, monsieur le directeur général Cathy 360, monsieur Khalil Fall, madame Adiaratou Koumar Sall, chercheur chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN, chers inspecteurs et conseillers pédagogiques, mes très chers et valeureux pionniers de la petite enfance, chers directeurs et directrices d'école, chers déclarants responsables, chers membres de la CNPE, parents, amis, invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est très chaleureusement que nous nous réjouissons de ce partenariat, mettant en évidence un désir longtemps dissimulé de participer à l'épanouissement de l'enfant à travers sa culture. J'accueille ici chacun d'entre vous au nom de la CNPE. Nous sommes réunis ici autour d'un objectif commun, le lancement des outils pédagogiques en langue nationale. Quoi de mieux pour les enfants d'aujourd'hui, nés avec des tablettes à la main, d'utiliser ce moyen pour les amener à se souvenir des bons moments que nous parents avions passés avec la grande famille telle qu'on la définissait au village. L'Alliance sénégalaise de la petite enfance est un regroupement de plusieurs professionnels ayant une cause commune, agissant dans le même sens pour promouvoir la petite enfance. Le secteur de la petite enfance a longtemps été laissé en rade au Sénégal. Et depuis la création de l'agence, des changements commençant à s'opérer, beaucoup d'initiatives sont nées, allant dans le sens de promouvoir